Et puis arrive 2012. 2012, ce sont les Jeux Olympiques de Londres. Tu apprends ta sélection quand, comment, tu te dis quoi? Eh ben, bon, c'était bien parti vu 2011. Voilà, je gagne la Coupe du Monde. Mais pour Oui, mais moi, tu n'avais voilà, jamais fait les c'était. Jeux. Non, j'avais jamais fait les Jeux. Je savais que la sélection était annoncée en juin 2012, donc pour une course au mois d'août. Et donc, c'est vrai qu'avec mon entraîneur, on a fait le plan avec la course de l'année. On avait pointé un jour et je me suis préparée vraiment pour cette course, même sans avoir ma sélection. Mais voilà, au moins dans ma tête, j'étais soulagée aussi que si jamais ça arrivait, bah, au moins j'étais prête. Et en tout cas, le plan s'est tellement bien déroulé que bah, j'étais hyper sereine. Et quand j'ai annoncé ma sélection, bon voilà, je m'y attendais. Mais en tout cas, Y aller pour c'était. gagner. Non. Non, non, je Ah ne me bon? suis pas mise ça en tête non plus. T'as Ça a gagné la été Coupe du Monde déjà. l'année d'avant. T'y vas pour quoi? Pour visiter Londres? Oui, c'est vrai, mais j'étais quand même pas la favorite parce D'accord. que j'étais encore espoir l'année d'avant, Ouais, mais c'est c'était bien. bien. En fait, je voulais pas aussi avoir ce rôle de leader, mais non, je suis partie en tête et ben je veux être prête, je veux être à 100% ce jour-là et arrivera ce qui arrivera. Mais en tout cas, Comment c'est ce qui. t'avais pu t'entraîner, repérer le parcours, comment ça s'était passé? On avait pu faire des pré-olympiques un an avant. Sur une course qui était quand même de haut niveau, puisque quand même toutes les nations étaient là, les Bah meilleures oui, étaient là. j'imagine bien. Et donc c'était super important. Enfin, le parcours, je le connaissais vraiment par cœur. Déjà un an à l'avance, on avait déjà très très bien travaillé, quoi. Raconte-moi cette course qui est. Mais avant, est-ce que pour toi, ça reste la course de ta vie ou il y a eu d'autres choses qui sont plus importantes? Non, c'est vraiment la course de ma vie. Enfin, ce que j'ai ressenti le jour-là, bon, il y a eu d'autres moments, d'autres courses qui ont été aussi voilà, énormes, mais ça a été non, juste la folie parce que du matin où je me suis réveillée jusqu'au soir, il s'est tellement passé plein de choses. Mais raconte-la-moi cette journée. Donc tu te lèves le matin et à quelle heure tu cours déjà? Alors, je courais à 13h30, bon, il y Tu te avait lèves le à quelle heure? décalage, il y avait 1 heure. Ok. Je m'étais levée vers 9h, bon, j'avais T'avais bien dormi, mais. dormi? Super bien, vraiment Tranquille. bien. En plus, faut juste dire, mais 2 jours avant, j'avais chuté. Donc, Ouais. c'est vrai que ça m'avait mis un petit coup, mais voilà, j'étais dans mon truc. T'avais Donc, mal quelque part? je m'étais ouvert le bras, j'avais eu des points de suture et le genou. Ah oui, quand même. Donc, ouais, et j'avais cassé aussi mon cadre. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'aurais pu complètement passer à côté. My God. Et non, bah du coup, c'était mon jour. Voilà, j'ai même malgré tout ça, j'ai pas changé mes plans, j'ai rien changé. J'étais dans ma bulle où je me suis levée, j'ai bien dormi, j'avais voilà, une grande appétit. Enfin, c'était nickel. Normal. Le petit déjeuner bien passé. La machine était Et en route. Raconte-moi la course maintenant. Démarrage, départ. ben, je suis très bien placée. C'est vrai que voilà, je suis déjà. Dans le groupe de tête, je me place et puis Tu l'as toujours moi je été. voulais. Pardon? C'était combien de boucles? Du coup, on avait 6 tours. Ok. Et donc, tu as Donc, toujours été dans le groupe de tête? c'est ça, c'était 1 heure et demie d'effort. Et puis, donc j'ai voilà, j'ai montré que j'étais là. Techniquement, j'ai vu que j'étais la meilleure. Ça, je l'ai vite vu aussi. Comment Et tu le donc, vois, dès que ça? j'ai. Attends, comment tu le vois, ça? Ah, c'est parce que quand je pouvais pas être devant, j'étais ralenti. Ah ouais. Voilà, au début, voilà, j'étais dans mes traces, mais je voyais que je pouvais aller plus vite, j'étais plus fluide, plus relâché, et ça n'a pas loupé une fois que j'ai eu l'occasion d'aller devant. C'était quand Ouais, je suis ça? À quel parti. moment tu passes devant? Au bout du deuxième tour, Ok, à donc la ça veut dire que tu vas troisième faire tour, je prends. quasiment, tu vas faire plus de 3 tours en tête seul, ou il y en a collé derrière toi quand même? J'ai fait 4 tours, non? Il y a eu 2 femmes quand même derrière moi, pas très loin, quand même à mi-course. Ouais. Mais voilà, à mi-course justement, il y a mon entraîneur, je l'entends, enfin je ne le vois pas, mais je l'entends, il me dit c'est maintenant. Et en fait là, bon bah, là c'était parti. Donc Attends, j'ai. ça veut dire quoi? J'ai lâché les chevaux, je les ai distancés? Ah bah j'ai fait une montée, c'est parti, je l'ai fait tout en danseuse. Et voilà, j'avais des écarts, mais c'est tout. Enfin, et puis, plus les tours allaient, en plus, plus je me disais, allez, encore un tour, c'est trop bien. Enfin, ça a été. Voilà, quand on parle d'une course, la course de ma vie, c'est que j'aurais pu faire encore plein de tours, quoi. Je m'éclatais. Et ouais.
Incroyable. Est-ce qu'à un moment, parce que, et on le sait, en vélo, on peut tomber, hein, la preuve, 2 jours avant, tu étais Oui. tombé, tu t'étais ouvert, tu avais pété le cadre. Est-ce Oui, qu'à c'est un ça. moment, tu te souviens dans cette course où finalement, tu n'as cessé d'accroître, pardon, ton avance, est-ce que tu te dis, il faut que je me mette en mode un peu gestion et faire gaffe et assurer? Alors, pas du tout. J'étais tellement concentrée, je savais vraiment au centimètre près où je mettais ma roue avant, ma roue arrière, quand je buvais, quand je. Enfin, c'était robotisé en fait, c'est fou, mais j'avais tellement bien anticipé et bien travaillé que la course en fait s'est déroulée comme je le voulais. Et il y a juste dans le dernier tour où là, à un moment donné, je sais pas, je me dis, oh, je vais peut-être gagner. Il restait, je pense, 1 km. Et là, d'un coup, j'ai eu une sensation bizarre. J'ai eu un mal de jambe parce qu'en fait, je ne sentais rien. Et je me dis, oh là là, ça m'a déconcentré. Je me dis, remets-toi dans ta course. Et c'est reparti. J'étais dans ma bulle, mais j'ai savouré vraiment les 500 derniers mètres où là, c'était le feu. Voilà, avec le public. À quel moment tu t'as compris que tu étais champion olympique? Ah, oh, bah ça a été un peu long. Je pense que. Ouais, il a fallu que je rentre chez moi, vraiment. Ah Même s'il y oui. avait toute ma famille sur place, Attends, 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 ça a été. Julie. Ça veut dire que les 500 derniers mètres, le moment où tu franchis la ligne, la photo qu'on vient de voir, j'imagine le staff, j'imagine les journalistes, machin et tout. Non, là encore, la machine n'avait pas encore déconnecté. Ton petit cœur n'avait pas encore. Non. Ah ouais. Ah non, non, j'étais sur mon nuage et c'était un tourbillon après la folie, quoi. Et même une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai compris Enfin, la magie des Jeux Olympiques, quoi. Voilà, j'étais plus maître de mon destin, on peut dire ça, quoi. Ça a été juste la folie. Et moi, en fait, j'ai savouré à fond, et avec mes proches qui étaient là, en fait. Ça a été juste qui a rendu l'événement encore plus ouais, énorme.